Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là les gars, je vais tout présenter, toutes les nouveautés et toutes les réductions de cette semaine sur GTA 5 Online, d'accord? Donc les gars, avant ça en tout cas, un grand merci à vous tous pour les 9500 abonnés, c'est juste énorme les gars. Plus que 500 abonnés et on est déjà au 10K. Les gars, je sais pas si c'est possible d'avoir les 10K avant la rentrée des cours. Donc les gars, go partager ma chaîne YouTube à maximum. Les gars, go les 10 000 abonnés, je compte sur vous. Les gars, c'est un défi d'avoir les 10K avant la rentrée des classes. Du coup les gars, go partager ma chaîne YouTube à maximum. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue à vous tous. Du coup les gars, pour commencer, du coup, il y a eu la nouvelle voiture, la Rune Zaba, qui coûte 1 800 000. Du coup, je l'ai déjà présenté ce matin en vidéo. Du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, n'hésitez pas en tout cas à voir ma vidéo que j'ai faite ce matin. Du coup, voilà. Il y a aussi les gains triplés dans les événements en mode livre. Ok, donc tout ce qui est mission en mode livre et tout. Là, c'est en triple dollar et triple RP. D'accord, c'est juste énorme. Du coup, voilà. Du coup, il y a aussi les gains doublés dans les modes rivalité qui se passent dans le bunker et du silo. D'accord, donc tout ce qui est mission de bunker et tout. Ça, c'est gains doublés. D'accord. Donc le véhicule du podium cette semaine, c'est la Comète Safari. Du coup, pour ceux qui l'ont pas, bah, n'hésitez pas en tout cas à tourner la roue pour pouvoir vous l'acquérir. Tout simplement, du coup, voilà. Donc tentez votre chance à tourner la roue, ok. Donc il y a aussi le contre-la-montre qui se trouve à l'aéroport de Los Santos, ok. Il y a le contre-la-montre RC Bandito qui se trouve au chantier. Il y a la course premium qui se trouve au parcours artistique, d'accord. Donc là, passons directement aux réductions. Du coup, il y a la Rampin Rocket qui est auprès de 693 000 dollars et qui a moins 25%. Ok. Il y a la Zorusso qui coûte 1 443 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a la Benefactor Krieger qui coûte 2 156 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a la Oslo Locus qui coûte 1 218 000 dollars et qui a moins 25%. D'accord. Donc il y a la Progen Emirus qui coûte 2 millions de dollars et qui a moins 25%. Il y a la Viser Neo qui coûte 1 406 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a aussi la Enus Paragon R qui a 678 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a aussi la Peyote Gasser qui coûte 600 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a aussi la Zion classique qui coûte 609 000 dollars et qui a moins 25%. Il y a la Issy Sport qui coûte 538 000 dollars et qui a moins 40%. D'accord. Il y a le 4x4 Caracara qui coûte 650 000 dollars et qui a moins 25%. Et pour finir, il y a la Issy classique qui coûte 170 000 dollars ou 216 000 dollars à moins 40%. D'accord, du coup voilà, donc là c'était toutes les réductions de cette semaine sur GTA 5 Online. Du coup voilà, on a aussi moins 35% sur les boîtes de nuit et ses rénovations, et on a aussi moins 35% sur le Pontos du casino et ses rénovations. Il y a vraiment beaucoup de réductions cette semaine. Du coup les gars, go profiter à maximum. En tout cas, go partager ma chaîne YouTube à maximum les gars, go. Et 9600, je compte sur vous. Les gars, plus que 500 abonnés. Et on est déjà au 10K. C'est juste énorme. Du coup, go, go pour partager. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay. Sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao.